pour zone métropolitaine, moi, je travaille avec 90 MW. 90 MW pour une demande de 200 MW. Et 90 MW, ça, c'est en majorité, c'est producteurs privés qui baillent. Donc, à savoir que Sogener, e-power. Et puis, avec centrale Pétion. L'enville de Provencio, et si je prends zone Gounaïve, là, il y a 12 MW qui est installé, mais c'est Santia et c'est centrale Bolivar. Centrale, ça, li marché 24 heures sur 24 par jour. Nous n'y a pas même Jean-Tou, centrale Osemati, 10 MW, li men li marché à 24 heures tout par jour. Malheureusement, nous avons quelques zones qui pas cap bénéficier de 24 heures ça tout. Par exemple, nous avons Saint-Marc, qui a 7 MW, li au 6 heures de temps par jour. Et semaine dernière, nous avons allé Saint-Marc, effectivement, nous avons des problèmes au niveau du groupe là. C'est des problèmes au niveau du tableau de contrôle là, qui a résoudre qu'on y est. Et si je prends et deux côtés qui ont plus de problèmes là, qu'on y a, c'est Petit Gouave avec les cailles. Petit Gouave au caille, il faut nous comprendre ni bien. Production, ce n'est pas EDH qui baille. C'est Haïtien Tractor qui baille. Haïtien Tractor, c'est acheter courant l'amel. Donc acheter courant l'amel, laisse ça nous revendre. Mais une fois que moun ni Tigouave ni Okaï pas payer courant EDH pas gain assez liquide li même pour le payer à Haïtien Tractor. Donc si moun Tigouave avec moun Okaï besoin plus courant, moun toujours répéter ça, payer pour payer courant. Parce que le nous passer consigne par exemple Okaï, nous dit que nous gain possibilité pour nous bailler 8 heures de temps courant par jour. Moun nous fait manifestation, me comprendre. C'est vrai que tout pour nous d'arrêter 24 heures courant. Mais 24 heures courant, ça veut dire plus gaz encore. Et plus gaz, ça veut dire plus l'argent. Donc, jusqu'à présent, recette là pas fouti couvrir ça que m'a dépensé. Donc, ça fait que demander moun nous prendre patience, faut moun nous comprendre et moun ka parler avec yo tout. Faut yo expliquer moun nous tout, faut yo payer courant. Dans zone Tigouave, dans zone Okaï, nous gagnons près de 60% de perte d'électricité. Avec que vol tout bagaille ou là. Donc ça veut dire que pas grand quelle entreprise cap ka kembe comme ça. Donc besoin que moun yo comprenne que c'est vrai que yo besoin courant, mais faut apprendre tout que courant c'est payer puis yo payer le tout. Dans zone Bordeaux-Presland nous font un pile effort. Nous monter toute facturation qu'on y a à 51% dans zone Bordeaux-Presland et t'allais m'va expliquer nous ça qui passé dans Bordeaux-Presland qui fait que Bordeaux-Presland a augmenté comme ça lui-même. Et nous parler aussi de achat d'énergie que nous fait dans zone métropolitaine. Nous acheter courant dans mes Sogener, nous acheter dans mes e-power, mais comprendre tout que même dans zone métropolitaine avec 51% m'ba arriver couvrir courant. Et ça fait que moi gagne des dettes qui énormes avec producteurs privés. Jusqu'à présent, moi a près de 115 millions pour Sogener, 9 millions pour e-power et 11 millions pour Haïtien Tractor. Et que me doué toujours. Qui ça que le gouvernement voulait faire? D'abord, nous sommes capables de dire tout que le gouvernement voulait pour retirer l'école, acheter l'homme privé. C'est un processus qui est long. Parce que pour acheter l'homme privé et pour retirer l'école en privé, il faut commencer par la centrale PAO. Donc, il y a deux gros projets que le gouvernement met en chantier. Il y a un projet de réhabilité centrale Carrefour. Centrale Carrefour, qui l'a depuis les années 70, et 80. Centrale Carrefour n'a réhabilité à 40 MW. Une fois que centrale la fin réparée complètement, n'a bien 40 MW pour EDH. Donc 40 MW, ça déjà fait une grosse différence sur le réseau. Si je quitte privé à mettre 40 MW là sous lit, au lieu de 12 heures d'alimentation par jour qu'on y a là, je commence à passer à 18 heures. Mais 18 heures, il faut me dire que la poutine plus comme tout, il faut que nous apprenions à payer tout. Nous avons besoin de courant, c'est payer pour nous payer courant. Et réhabilitation Carrefour là, il a commencé déjà, contre Assis, depuis longtemps, centrale là. Centrale là, il est en plein chantier. Nous gagnons réhabilitation centrale Pélic. Centrale Pélic, tout le monde connaît son gros moussolier qui construit dans les années 70. Centrale ça, depuis le ça, il n'y a pas jamais crampé pour réhabiliter. Fois ça, nous jouons financement. Financement, nous avons BID qui finance, nous avons OFID qui finance, nous avons KFW qui finance. Donc pour centrale ça, et le processus là long en pile. Excusez-moi.
n'a gagné un premier groupe qui est disponible en décembre 2015. Groupe ça a bande 18 MW. Ça veut dire que là pour retourner normalement j'en étais supposé hier. Nous avons un deuxième groupe qui est disponible en juillet 2016. Nous avons l'autre 18 MW encore. Et le troisième groupe là, septembre 2016. Ça veut dire que le central la fine réhabilité, n'a pas repassé le central là tout neuf à 54 MW. Jean Blanc était construit pour le défaite là. Nous gagnons l'autre projet que nous mettons. Nous gagnons l'autre projet que nous mettons sous chantier encore. Nous gagnons réhabilitation réseau de distribution. En plus, nous avons remarqué que nous avons fait un travail dans la zone Pétionville, Péguyville et Route de Frère. Nous commençons à faire. Nous remplacer tout compteur. Nous mettons compteur à un autre niveau. Et compteur ça y est, en plus, nous commençons à poser des questions comment est-ce que l'île. Et mais c'est des compteurs à radio fréquentieux. Ça veut dire que ce n'est pas des compteurs que le monde va le camper en balle pour l'île. Des compteurs à radiofréquence. Problème que en pile monde qui te connaît vol les courants gagnés, le gars de haute baille là, il a fait ouais, comment m'a fait arriver là. Il n'a pas arrivé. Et c'est ça fait que bureau Pétionville là, qu'on a débordé tout pour nous demander compteur. Parce que côté mettre là, on n'a pas privé encore.